Les taureaux, bienvenue sur votre guidance des énergies du mois de juin 2023. Je suis ravie de vous retrouver, les amis. Alors, on va aller voir avec les portes de l'intuition l'énergie qui vous accompagne tout ce mois de juin. Alors, quelle est-elle? C'est cette carte. L'amour, les amis, l'amour. Alors, on va s'aimer tout simplement. On va aimer l'autre et puis on va aimer ce que l'on fait. On va avoir peut-être beaucoup d'amour autour de soi. On va peut-être faire un travail qui nous plaît énormément. On va peut-être s'investir dans une passion. Voyez, on va parler de l'amour inconditionnel. L'amour peut-être entre frères et sœurs. L'amour entre, bon, je sais pas, entre plusieurs personnes. Et on vous dit, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. On va peut-être parler ce mois-ci de soutien, d'avoir des gestes d'attention, d'avoir des gestes d'amour, d'avoir peut-être aussi des mains qui se tendent pour vous aider, d'accord? Tout ça, ça représente l'amour inconditionnel que vous allez ressentir autour de vous ce mois de juin, les amis taureaux. Alors, un petit détail avec l'oracle des miroirs sur cette carte de l'amour. Waouh! Alors en fait, c'est le miroir magique, c'est-à-dire que c'est l'amour de vous. Hein? On va parler d'amour, d'amour de soi, tout simplement. Voilà. S'aimer, c'est être à l'écoute de ses besoins, être à l'écoute de ses envies, être en harmonie avec ses pensées, ses valeurs, ses principes d'éducation, voyez. Donc, on va, ce mois de juin, être peut-être à l'écoute de soi, pour pouvoir reprendre une place au sein de l'amour. Voilà. Très bien. Allez, on continue avec la triade. Justement, on va parler d'amour. Donc, le thème de l'amour. Qu'est-ce qu'on a comme information avec cette triade? Ok, on a la carte du pardon. On va peut-être se pardonner pour pouvoir s'accepter, accepter enfin ses erreurs. Ce qui nous éloignait de nous. Et c'est aussi ce qui nous permettait, ce qui va nous permettre de renouer, de reconnecter avec soi, avec nos émotions, avec qui l'on est. On va être dans l'acceptation de soi ce mois de juin, les amis. Hein, et on va se pardonner. On va pouvoir pardonner, on va pouvoir accepter quelque chose, se pardonner. Ou pardonner à quelqu'un pour pouvoir, regardez, la mort, c'est la fin de quelque chose, pour pouvoir clôturer, faire le deuil, tourner la page, voilà. Et derrière, eh bien, on a l'initiation, bien entendu. Derrière quelque chose qui s'arrête, on a toujours quelque chose qui commence, qui démarre. Donc là, on se pardonne pour pouvoir clôturer une histoire, un schéma en amour, hein, une vieille histoire. Bon, faire le deuil de quelque chose pour pouvoir tourner la page et recommencer sur une nouvelle manière de s'aimer ou d'aimer, tout simplement. Ok? Alors, qu'est-ce qui se... Ben, au niveau du pardon, qu'est-ce qu'on a à rajouter sur le pardon? Réunion. Réunion, c'est les rendez-vous. Ça peut être aussi l'idée d'un groupe de parole, de se rassembler, d'être en face à face, par exemple avec son ex, ou pour clôturer les choses, vous voyez, mettre à plat, se dire ce qu'on a à se dire, et puis terminer cette vieille histoire pour pouvoir partir sur des bonnes bases avec la personne, avec une nouvelle personne, vous voyez. Donc l'idée de se pardonner peut-être au niveau, faire aussi un pardon avec un thérapeute, un psy, quelqu'un qui vous aide à vous pardonner justement, à accepter qui vous êtes et faire le deuil pour pouvoir passer à autre chose là. Hein. Alors l'idée sur la mort, qu'est-ce qu'on met? Justement, hein, la mort, on met la femme. Donc il y a une idée peut-être d'énergie féminine à comprendre. Là, on fait le deuil peut-être d'un amour, d'un ancien amour. D'une ancienne relation, vous voyez tous ces liens un peu spirituels, un peu subtils que l'on a, des liens de loyauté à l'autre, des liens d'amour, d'affection, d'engagement aussi, hein. Quand on est marié à quelqu'un,
Ben, des fois, se séparer ou divorcer devant un juge, ça ne clôture pas l'amour, l'engagement solennel que l'on a pris envers cette personne, voyez? Donc là, on va mettre un terme, en tout cas, à cet amour pour se donner le droit de repartir sur de nouvelles bases, voyez? C'est superbe, hein? On fait le deuil d'une histoire d'amour, hein? Pour repartir sur une initiation, c'est une nouvelle chose, hein. On va apprendre comment on fait sur cette famille recomposée peut-être, hein, ou alors remettre la nouvelle compagne ou le nouveau compagnon sur son arbre généalogique, c'est-à-dire de se repositionner en tant que tel, en fait, hein, de repositionner la personne avec qui l'on est. Sur, ça y est, officiellement, elle devient ou il devient notre compagne ou notre compagnon, d'accord? Par rapport à ce deuil que l'on vient de faire, mais qui était nécessaire. Ok, super. Allez, on continue. On va aller voir du côté du relationnel avec le rêve du chaman. Alors, le relationnel, les gens qui vous entourent, l'environnement. Les amis, la famille, les collègues de boulot. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux, pour ce mois de juin? Allez, trois cartes. Ok. Le bienfaiteur. Grâce et générosité. Waouh! Il y a quelqu'un qui vous tend la main là, hein? Il y a quelqu'un, une connaissance, une rencontre qui est positive pour vous, qui vous apprend quelque chose, qui vous... C'est peut-être cette aide-là, hein? Grâce à cette personne, grâce à cette rencontre, vous allez pouvoir vous pardonner, faire cette démarche de clôturer un ancien schéma, d'accord? Donc le bienfaiteur, grâce et générosité, ok. Les femmes des bois, on parle d'adaptabilité. Ok. Et puis, transformation. Ok, on est aussi, là, le message me vient sur votre qualité de bienfaiteur. C'est-à-dire que vous avez tendance à dire oui ou à dire à être serviable avec tout le monde, voyez? Donc, accepter, enfin, donner, donner, donner tout le temps aux autres. Peut-être qu'au bout d'un moment, là, on vous dit qu'en fait, votre capacité à vous adapter et votre générosité, votre don de vous-même, votre sacrifice de vous-même, eh bien, tout ça, on va le modifier. C'est-à-dire que là, vous allez vous transformer, prendre un peu plus conscience que vous devez vous apporter un peu plus à vous et un peu moins aux autres. Voyez cette idée-là? Ok. Alors, transformation. Ben ouais, regardez. Regardez ce qu'on a sur la transformation. On a la roue qui tourne. Donc il y a vraiment un changement de comportement. Il y a une nouvelle manière de faire. Et c'est ça, hein. Vous ouvrez une nouvelle porte, un nouveau chemin, hein, dans l'amour que vous allez donner, que vous allez offrir. Vous allez un petit peu vous l'approprier, en tout cas une partie, et puis en donner quand même aux autres, puisque ben c'est votre... ça vous plaît quoi, voilà. Donc c'est votre manière d'être, ça fait partie de vos valeurs tout ça. Hein. Donc s'offrir un peu plus d'amour pour soi, voilà. Elle est là la transformation, les amis. Ok, on continue avec le Light Sears. On va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté du professionnel, les amis. Alors, le professionnel sur les taureaux, qu'est-ce qu'on a? Hop. Ok. Allez, on a deux cartes. Le roi d'épée. Ok. Là, avec ce roi d'épée, on est sur une maîtrise, hein. C'est un roi, hein. C'est pas un simple valet. Donc, c'est un roi d'épée. Le roi nous parle d'ancienneté, d'expérience. C'est pas. Voilà, il est réfléchi, il est posé, ce roi, il est calme, il est serein, voyez? Et puis, les épées, ce sont les pensées, les projets,
Ce sont tout ce qui est logique, tout ce qui est calcul. On va faire des projets, peut-être à long terme, là. Hein. On va peut-être investir sur du long terme. Hein. Bon, je vais voir la carte qui est associée. Ok, le cavalier de Pentacle. Donc, le cavalier de Pentacle, c'est une énergie où on prend le temps de poser les choses. On épargne un petit peu, là, vous voyez, c'est un peu cette idée de épargner aujourd'hui, puis à force de mettre petit à petit de l'épargne chaque mois, et bien dans 2 ou 3 ans, vous serez arrivé à votre objectif de mettre par exemple un petit pécule de côté pour pouvoir vous payer un voyage ou une voiture ou une maison. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Donc ça va tout doucement, petit à petit, mais on envisage des choses, des projets sur le long terme. Et avec ce roi d'épée, on planifie, on prépare ce projet-là. Hein. Donc on est dans les idées, ok, on prépare, comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? Auprès de qui je le fais? Enfin voilà, on est sur un projet professionnel, hein, d'accord? Donc, préparation mentale, j'allais dire, et puis action. Les pentacles, c'est du concret, ça y est, on met un pas en avant, on met une pierre à l'édifice, on commence à construire petit à petit aujourd'hui. Par exemple, vous voulez changer de métier, ça. La préparation, la mentale, ça va être d'analyser, par exemple, bon, ben, je dois faire une formation, combien ça coûte? Ok, ça coûte ça, ça dure tant de temps. Et ben, vous décidez en juin, là, de vous inscrire à cette formation, peut-être. Voyez, c'est un petit peu l'idée. Bon, on va poser 2, 3 cartes. Alors, sur la préparation, qu'est-ce qu'on met? Le bouclier. Il y a un besoin de se protéger, c'est-à-dire vous recherchez quelque chose de stable, qui vous mette en sécurité au niveau professionnel. Voilà. Et au niveau du cavalier de Pentacle, la chance. Waouh! Vous allez l'attirer cette chance hein, au niveau professionnel. Hein, on dit la chance, en fait, c'est vous qui allez faire des efforts. Hein, vous mettez tout de votre côté pour pouvoir, tous les moyens qui existent à votre portée, pour pouvoir engager justement ce changement sur le long terme. Hein. Donc, on va reposer une autre carte. La santé. Alors, ce projet professionnel, il a peut-être rapport avec la santé, le milieu médical, le milieu thérapeutique, le bien-être. Voyez, c'est un petit peu ça. Le côté social aussi, hein. Ok. Bon. Très bien. On va passer à la médecine chamanique. Alors, on va aller voir un petit peu ce que l'on doit laisser derrière soi pour ce mois de juin. Alors, qu'est-ce qu'on doit laisser derrière soi pour ce mois de juin? Ok. Eh bien voilà, on doit laisser peut-être le futur, les projets, l'avenir, le monde du haut, le monde des étoiles aussi, hein. On doit peut-être laisser derrière soi cette idéalisation que l'on a peut-être d'un projet, d'une personne. Voyez, les étoiles, c'est le fait de briller aussi. Donc, peut-être on nous parle de votre ego ou du piédestal sur lequel vous avez édifié la personne avec qui vous êtes ou une personne de votre entourage. Ou alors, on nous parle je vais poser une carte. On nous parle de l'avenir, hein, de l'avenir. C'est peut-être aussi l'idée de dire. Quand je serai plus grand, quand j'aurai fait ci, quand j'aurai gagné au loto, je ferai ça. Voyez, c'est peut-être ça qu'il faut laisser tomber, c'est-à-dire reporter la procrastination. Voilà, on est là-dessus un peu. Hein. Le futur, c'est ça. C'est je procrastine, je me dis bon, ben, aujourd'hui ça va, je ferai ça demain, et puis le lendemain, bon, ben, je ferai ça le lendemain. Voyez, c'est un peu cette idée-là. Peut-être qu'il faut laisser tomber. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a la séparation parce qu'en fait, on se sépare de soi. Oui, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le moment présent, en fait, là.
On vous dit évitez de dire ben, quand je serai plus vieux, quand j'aurai le temps, quand je. Voilà. Parce qu'en fait, c'est maintenant que vous vivez. C'est l'instant présent que vous devez vivre et pas dans le futur, dans 6 mois, dans 3 mois. C'est aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on est déconnecté là de ces sensations. On est séparé de soi. On est dans la séparation. C'est aussi pour ça que on doit s'apporter un peu plus d'amour. On s'apporte un peu plus d'amour. Et on se priorise ce mois de juin, d'accord? Bon. Donc, on laisse tomber le quand je serai plus grand, quand j'aurai les sous, quand je serai vieux, quand je serai à la retraite, voilà. Hein? Ok. Eh bien voilà, on a terminé. On finit cette guidance avec un mot de s'aimer et s'accepter pleinement. Je suis l'ombre et la lumière. Ok, je m'accepte comme je suis, je m'aime, hein, avec mes défauts et avec mes qualités. Je suis l'ombre et la lumière. Je choisis d'honorer mes forces et mes faiblesses car elles font partie intégrante de mon être. J'accepte de leur porter toute l'attention qu'elles méritent afin de m'épanouir et de me construire sereinement. Voilà les amis, pour terminer cette belle guidance, prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous, bisous.